Qu'est-ce que tu chantes? Oh, j'aime bien aussi ces femmes libérées, non? Ne change pas cette boîte, elle est si agile. L'entreprise libérée, tu sais, c'est plutôt tranquille. Oh, t'es gonflé, toi! Intéressant cet homme. De qui? Elon Musk. Je connais pas. Ah, mais si, c'est le fondateur de Tesla. Je connais pas. Mais si, c'est... Oh. Il dit qu'il y a de plus en plus de chances que les robots arriveront à faire mieux que les hommes. Tu rigoles, pas possible. Mais si, parce que si on anticipe le progrès des intelligences artificielles... Ah, mais tu crois que les machines pourront faire mieux que Bernard quand il meurt, tu sais... Ah, tu me dégoûtes. Oh, tu as vu le nom de ce speaker? Oh oui, très drôle. H. Moria. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Dis-leur de mon conseil. Écoutez, moi je me présente, je suis H, mais vous pouvez aussi m'appeler Cocaïne. Oui. Bonjour, moi je m'appelle H, mais vous pouvez m'appeler I ou J. Oui, mais c'est pas drôle du tout, ça, y a pas de blague. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une télé. Oui, je le vois bien, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je télétravaille. Oh. C'est incroyable, ça. Tu sais que maintenant, on peut mettre des électrodes dans le cerveau des gens. Hein? Ah bon? Mais pourquoi? Ah bah, pour pouvoir savoir ce qu'ils pensent, interpréter leurs rêves. Ah. Salut. Salut. Ça va te poser des problèmes, ça, moi. Bah, pourquoi? François Esquin, le PDG d'Octo? Toute la nuit, j'ai rêvé de lui, toute la nuit. Non. C'est pas possible. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non. Monsieur. Regarde. C'est dommage. Plus c'est court, plus c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon.